Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous avez pu profiter de ce samedi. Moi, chez moi, il n'a pas fait super beau. J'en ai profité pour tondre ma pelouse. Angèle a tendu toute l'après-midi et a désherbé son jardin. Voilà. Donc, et j'ai eu des guidances, bien entendu, j'ai pas fait que ça, mais comment vous dire que j'ai pas arrêté. Je suis fatiguée, mais malgré tout, je suis là. Je pense à vous et je vais vous faire un contenu. On va se connecter hein, en tant que flamme jumelle, puisque cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flamme jumelle depuis 2021. Voilà, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Avec le joli tableau que je trouve que ça vraiment ça représente vraiment les flammes jumelles. Le joli tableau que Marie-Christine m'a offert, et je la remercie encore si elle passe par là. Merci Marie-Christine, il est magnifique. On va voir ensemble les messages, d'accord? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite, on verra ce que l'univers veut vous dire à travers moi. Voilà, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, je rappelle que je vous invite, en tout cas, je vous rappelle que l'abonnement est gratuit. Vous avez juste à cliquer sous la vidéo et activer la petite cloche pour rien louper, avoir une notification lorsque je poste un nouveau partage. Voilà, ça reste anonyme, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Déjà parce que ça va me faire plaisir, la chaîne grandit de plus en plus, de jour en jour. Et surtout que le fait de vous abonner, on a mis ça en place avec mes guides, le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à vous pour vous passer des messages. Voilà, donc on va prendre l'oracle angélique déjà pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on a l'ange de la protection aujourd'hui. Donc, vous avez une grande protection sur vous, sur ce lien. On parle de quiétude, de sécurité et de maîtrise. Voilà, donc on va le mettre là. Le beau gosse, bien musclé, hein, l'ange de la protection. Et on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrées. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, sagesse féminine, carte 20. Alors là, il y a la féminine, l'énergie féminine du couple, enfin des flammes jumelles. Hein, vous êtes en parcours, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. On voit une féminine qui pleure, on voit une féminine qui est sage, qui prie, qui est connectée, connectée par son troisième œil et son septième chakra à l'univers, à l'univers et à sa flamme. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors il y a la nouvelle lune. La nouvelle lune ou la pleine lune, je sais plus. Je suis tellement fatiguée. C'est la nouvelle lune, oui. Nouvelle lune qui arrive là très bientôt. Je crois que c'est le 3 dans le signe de la Vierge. Alors moi, étant ayant mon signe lunaire Vierge, je peux vous dire que c'est costaud. Hein. J'ai du mal à dormir la nuit. Mais bon, là, ça m'a fait du bien de passer l'après-midi dans le jardin, à m'occuper du jardin, à me reconnecter à la Terre Gaïa, prendre soin des plantes. Ça fait du bien, voilà. Donc, on voit que vous avez beaucoup d'émotions qui remontent. On voit que vous priez, vous demandez, vous suppliez l'univers de vous aider dans ce parcours.
Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et on va prendre la destinée des flammes jumelles. Regardez. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On parle de gestation, de nouveaux projets. Donc là, chacun de votre côté, vous êtes connectés, mais chacun de votre côté, vous avez des nouveaux projets. Je ressens votre flamme jumelle qui réfléchit et qui mûrit, qui est en train de mûrir une idée. Une idée de quoi? Une idée de venir vers vous, de se réconcilier, de vous parler. Je vois que vous êtes vraiment connectés, même si vous ne vous voyez pas et que vous êtes en silence radio. Les flammes jumelles, peu importe, sont connectées. D'accord? Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se sent victime là. Je ressens votre flamme jumelle qui fait la victime en fait. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Elle fait la victime. Et j'entends aussi que si vous en êtes là, c'est quand même 50% chacun. Hein. Je veux dire, c'est pas que de sa faute ou de votre faute. Il y a des deux. Alors, s'il vous plaît, tout et c'est de lumière, les anges, merci, merci de me passer des messages. On voit que là, vous vous retrouvez devant un choix. Vous avez un choix à faire. Vous avez deux chemins. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui allez décider le chemin que vous allez emprunter. D'accord? On voit qu'il y a une énergie tierce. Il y a une tierce, il y a une énergie. Donc ça peut être une énergie tout simplement. Ou une personne, femme ou homme, peu importe. Il y a quelqu'un qui se dresse entre vous. Mais on vous dit que prochainement, il va y avoir une rencontre. Alors, une rencontre avec votre flamme jumelle ou peut-être avec la tierce. Je ne sais pas. En tous les cas, je ressens que votre flamme jumelle est dans tous ses états. Elle pleure. Elle est triste. Alors, dû aux énergies hein, qui sont perturbantes en ce moment. Et peut-être dû aussi à un choix que vous avez décidé. Tout comme moi, peut-être vous avez décidé d'arrêter de courir après votre flamme, d'arrêter de communiquer. Vous avez décidé que vous aviez de la valeur et que vous méritiez autre chose. Vous méritiez mieux, qu'il ne vous traitait pas bien, à votre juste valeur. Il y a quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là là, ça parle, ça parle. Donc, il y a un blocage par rapport à des dettes karmiques dans des vies antérieures. Moi, je ressens que depuis plusieurs vies, vous vivez des choses avec votre flamme jumelle. Il y a peut-être eu des disputes dans d'autres vies. Il y a des dettes à payer, en fait, de karma. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez être bientôt réunis, car l'univers est en train de conspirer à vous réunir. Vous allez fusionner. De toute façon, il vous a dans la peau, vous l'avez dans la peau, et c'est au-delà de tout. Peu importe ce qui peut se passer, vous êtes fait pour vous revoir, vous rencontrer ou fusionner. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Tous les êtres de lumière. Alors,
Ah, il y a quelqu'un qui a un conflit intérieur là, qui est en plein conflit intérieur, qui se bat contre son mental, contre son cœur. Il y a vraiment là un combat entre le mental et le cœur. Du coup, votre flamme ou vous-même, vous vous êtes éloigné et c'était nécessaire, d'accord? Pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Il y a eu comme un déclic de votre côté de laisser tomber, de partir. Tout comme moi peut-être, hein. Certainement, on fait partie de la même constellation. On est sur les mêmes vibrations. Donc, voilà, hein. Ce qui se passe chez moi, ça se passe chez vous. C'est-à-dire qu'on est vraiment reliés les uns aux autres. On a la carte 48, on voit que le masculin est en ébullition mentale. Il a la tête qui va exploser tellement il pense et il réfléchit. C'est quelqu'un de très cérébral, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très dans le mental. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On voit qu'il y a quelqu'un qui est dans le déni là, qui veut pas voir la vérité en face. Cette personne, c'est votre flamme jumelle, elle veut pas voir la vérité en face, elle veut pas voir qu'il y a une attirance entre vous, il y a une sensualité et du désir. J'ai votre flamme jumelle qui refuse de voir et de ressentir quoi que ce soit. Et pourtant, sa conscience, son cœur, son âme aimerait vous prendre dans les bras. Alors, je vais prendre mon oracle, l'oracle de mon cœur. Si vous voulez me le commander, j'en ai encore en stock. Vous pouvez me le commander avant que je parte, me faire opérer. Ça approche, hein. Je ne vous cache pas que très bientôt je vais partir, mais je vais en emmener avec moi. Donc après l'opération, dès que j'irai mieux, je pourrai vous les envoyer. D'accord? Voilà. Si vous voulez que je vous l'envoie avant de partir me faire opérer, en espérant que je vais me réveiller, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on parle d'une fin de cycle là. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui doit faire un deuil, qui a perdu quelqu'un. Hein, il y a une tombe, il y a. Voilà. J'ai quelqu'un qui a décidé de faire son deuil. Quelqu'un qui fait le mort. J'ai votre flamme jumelle qui fait le mort. C'est ce que j'entends. Vous vous demandez même s'il n'est pas mort. Il fait le mort. Alors, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a l'abondance financière qui arrive pour vous qui me regardez. La prospérité, ça peut être une prospérité d'amour. Hein. Et une abondance d'amour aussi. C'est la corne d'abondance avec les anges. Il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Alors, s'il vous plaît. Oh, il y a la chance, il y a le fer à cheval. Alors, on vous dit que vous vous attirez l'un et l'autre. Il y a le fer à cheval, donc il y a peut-être quelqu'un qui a un cheval ou qui monte les, qui fait de l'équitation. Ou alors, ce que j'entends, il y a quelqu'un qui aimerait faire de l'équitation avec vous, faire un rodéo. Enfin bref, vous m'avez compris, je vous laisse imaginer. En tous les cas, il y a une grande attirance. Et je ressens que votre flamme jumelle est en train de comprendre que vous êtes une chance dans sa vie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on voit qu'il y a un silence entre vous. Hein. Il y a vraiment un silence. Mais il y a une forte attirance. Il fait le mort. Il communique pas. Il se tait.
Il vous observe, il vous met des vues, il vous l'inspirez, il y a un déclic, il a des idées, il a une idée derrière la tête. Il pense à vous beaucoup, hein. Alors, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un escalier émotionnel. Attendez. C'est en train de monter crescendo, hein. Les émotions, les envies, les désirs. C'est en pleine progression et élévation. Bon. Je vais prendre l'oracle, l'étoile de mer, que j'ai créé et mis en matière le 8888, portail énergétique. Donc très puissant, ce sont des mots que j'ai écrits sur le sable, sur la plage. Voilà, c'est puissant. Alors c'est pareil, si vous voulez me le commander, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Et j'essaie de vous l'envoyer avant de partir. Voilà. Donc, on parle d'une flamme intérieure. Donc, il y a bien une flamme qui est allumée. Une flamme olympique, peut-être. Il y a une flamme qui est allumée à l'intérieur de vous. Vous la ressentez. Elle n'est pas éteinte. Elle est toujours là. De toute façon, ce que j'entends, c'est que cette flamme, vous ne pourrez pas l'éteindre. Elle est là. Elle est immortelle. D'accord? Surtout chez les flammes jumelles, cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, on peut baisser l'intensité, c'est-à-dire on peut la calmer, on peut la mettre un peu en veille pour qu'elle soit toute douce, mais au moindre coup de cœur, au moindre de, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça se réveille. Les énergies, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails énergétiques, etc. Même si on la met en sommeil, même si on n'écoute pas sa flamme intérieure, la flamme intérieure, la flamme d'amour qu'on a pour notre flamme jumelle, est immortelle et est tellement puissante qu'on ne peut pas l'éteindre. C'est impossible. On la met en veille, on la met dans un petit coin, mais ça se réveille. Donc, on vous parle d'ouverture. D'ouverture dans le respect. Se respecter. Après avoir pris du recul, cette personne va vouloir flirter et va flirter avec vous. Donc, il va y avoir des bisous et des câlins. Et on vous dit en dos de deck qu'il y a un lien fort. Très fort. Voilà. Je vais demander le signe de cette vidéo à mes guides, s'il vous plaît. Alors, quel est le signe de cette vidéo? Je ne l'ai pas ici. Alors, je vais le prendre en canalisation. Je vais demander à mes guides, s'il vous plaît. Quel est le signe de cette vidéo pour mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles? Ah, d'accord. Bon, d'accord. Alors, en canalisation, ils ont de l'humour. Hein, mes guides ont de l'humour. Vous savez, j'ai sorti le râteau tout à l'heure pour ratisser, enfin, ramasser les mauvaises herbes que j'avais entassées. Donc, c'est le râteau. Voilà, si vous voyez un râteau, l'outil, le râteau, hein. Eh bien, en vrai, en illustration, photo, film ou quoi, ou en mots, c'est que cette vidéo est pour vous. Voilà. J'entends que vous êtes peut-être pris un râteau avec votre flamme jumelle. Hein? Je sais pas, comme ça. Je vais vous passer des messages avec les secrets de ton amour. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière. Renaissance d'une union sentimentale. Donc il va y avoir une renaissance. Ce n'est pas terminé. Dans les 9 mois. Bon,
Dans les 9 mois, bah, je vous le souhaite avant, mais je sais pas, c'est en gestation, j'ai sorti la carte tout à l'heure, gestation, il y a peut-être un enfant, il y a peut-être un nouveau projet, en tous les cas, c'est en projet, c'est en gestation, il y a une renaissance d'une union sentimentale. Allez, s'il vous plaît. Sentiment de solitude et de tristesse partagée. Vous n'êtes pas seul à être triste. Votre flamme jumelle également. Officialisation d'un amour après une longue attente dans les 3 mois. Voilà mes petites étoiles. Donc c'est plutôt positif, hein? Voilà. Je vais prendre l'oracle des souhaits. Voilà. Et on va voir. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? J'ai un peu mal partout, mes petites étoiles, si vous saviez. Je n'arrête pas. N'y a pas besoin d'aller à la salle de sport, hein, avec le jardin. Voilà. Allez. S'il vous plaît. L'écureuil. Oh, il est trop mimi, ce petit écureuil. Bouclier de cristaux. Je suis aimée et protégée. C'est marrant parce qu'on allonge la protection et on finit avec le petit escargot. Non mais n'importe quoi, Angèle, je suis fatiguée. L'écureuil, le petit écureuil tout mimi avec comment dire, son bouclier là, avec les cristaux. Bouclier de cristaux. Donc c'est peut-être le moment de porter des cristaux pour vous protéger. Un œil de tigre, peu importe ce que vous avez. Je suis aimée et protégée. Donc clairement, on vous passe le message que votre flamme jumelle vous aime et que vous êtes protégée. Ah, d'accord. Bon, mes guides me disent le râteau c'était pour rire. Donc si vous en voyez un, tant mieux. Ils sont trop forts. Mais le vrai signe, hein, c'est le. J'allais dire l'escargot, ça va mal. Hein, je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec un escargot. Il y a quelqu'un qui mange des escargots. Oui, il y a un truc. Hein. C'est l'écureuil. Si vous voyez un écureuil en vrai, en illustration, en film, en mots, peu importe, c'est que cette vidéo est pour vous. Alors, ok. Et je vais vous lire ce qu'on vous dit avec les. J'allais dire encore l'escargot, ça va mal. Il n'a pas une tête d'escargot, c'est un écureuil. Ça, c'est parce que j'étais dans le jardin tout à l'heure. Alors, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. C'est le chien, c'est pas. Voilà. Donc. Ah, je sais pourquoi. Mes guides me disent, bah oui, l'escargot, parce qu'il a une carapace. Il a sa coquille sur le dos et il se protège. Et en fait, il y a une relation avec l'écureuil et la protection. Bon, bref, j'ai compris. Alors, rassemble au moins 9 petits cristaux de ton choix. Mets-les dans un morceau de tissu sur tes genoux. Puis pose les mains dessus et pense à être fort et puissant. Réfléchis à tes objets ou à tes lieux préférés et transmets cela aux cristaux. Imagine les briller avec l'énergie que tu leur as donnée. Maintenant qu'ils sont chargés, place-les dans ta chambre ou dans les différentes pièces de ta maison ou enterre-les dans ton jardin. Cela crée un bouclier magique de bonnes ondes pour toi. Voilà mes petites étoiles. Bon, ça je vais le ranger. Et je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus avant d'aller sur Vimeo. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà, donc un message de Maman Marie. Et de Jésus pour vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on parle de santé. Donc, peut-être que votre flamme jumelle ou vous-même travaillez en rapport avec la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, il y aura une guérison miraculeuse. Un message de Jésus pour vous, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière
Les anges, merci. Ah bah, il y a deux cartes. Jésus a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a apaisé, vous a relaxé. Je vous invite à cliquer sur le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. On va aller dialoguer avec votre flamme jumelle. On va voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire à travers moi si vous êtes en séance radio ou qu'elle ne communique pas correctement. On va voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire à travers moi. D'accord? Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance. Je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui ont liké cette vidéo, qui commentent cette vidéo et qui vont aller sur le lien extension Vimeo, parce que quand vous allez sur Vimeo, eh bien, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Voilà mes petites étoiles, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour et je vous fais des bisous. À tout de suite, merci et à bientôt.